Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Donc, on va faire une petite vidéo où on va vous montrer les installations et après on reviendra sur chaque bac et les animaux qui sont dedans. Donc, voilà un petit tour en live comme si vous y étiez. Donc, un premier bac qui est éclairé en hydra où c'est essentiellement des LPS. Le second bac avec des Coral Care Gen 1, c'est là où je fais les photos en fait sur les grilles blanches. Là, ce troisième bac avec des Coral Care Gen 2 et un bac qui sert en priorité au stockage des animaux qui sont réservés, hein, qui ont été commandés avant les expéditions, et aussi au stockage de certains coraux, des euphilias, quelques accros aussi. Quatrième bac, pardon, qui est un bac mix au niveau de l'éclairage T5 LED. C'est là où il y a toutes les acropora. Les accros sont dans ce bac-là. Dans les paniers, il y a quelques anémones. Là, on va voir des entacméas rouges. Et c'est dans ce bac-là aussi qu'il y a une bonne partie des torches, des Euphilia glabrescens torches qui sont là, en partie inférieure. Voilà, donc là, comme dit le bac où il y a les animaux réservés. Dans ce bac-là, éclairé en caissile avec 100% de bleu, je maintiens tout ce qui est Zoanthus et tout ce qui est calice. On y fera un petit tour encore tout à l'heure. Là, comme c'est le même bac là sur les grilles blanches où je fais les photos. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va passer à chaque bac individuellement. Alors, dans ce bac-là, essentiellement LPS, là j'ai en ce moment des magnifiques, vraiment très très jolis. Saint-Philia Wilsoni ou Astrophilia Wilsoni. Alors c'est des coraux en maintenance qui sont proches des Acanthastrea. Par contre, les Wilsoni, il faut faire attention, il faut pas trop les monter en température. Il ne faudrait pas dépasser les 26 degrés. Mais c'est des coraux sinon qui sont assez jolis de maintenance, c'est assez facile. Donc on a vu quelques sarcophytons, un gros physogyra. Là on passe par-dessus, mais faut que je règle un petit peu l'appareil photo pour le réglage, c'est un peu trop lumineux. On a là du Nemenzophilia, il y a des Acanthastrea et Echinata qui sont magnifiques. Catalaphilia. Par contre, toutes les grosses pierres là que vous voyez à la base, vous voyez les Discosoma rouges, les vertes et les bleues, ça c'est des pierres qui ne sont pas en vente. Je garde pour quelques temps des pierres pour un client qui déménage. Dans ce bac-là, on a aussi très très jolies Cinarina, des verts pommes, du rouge, du bicolore. Il y a très joli Heliofungia. Donc il y a quelques trucs sympas. On passe sur le bac où je fais les photos. Donc là, c'est les derniers coraux qui ont été dans la mise à jour. On a du Stylophora rose, très très joli. Et il y a encore de magnifiques Duncanum zamia, des Glabrescens, ce qu'il y a Glabrescens avec de l'Holy Grail, du Dragon Soul, du 24K. On va passer en bleu tout à l'heure avec filtre orange, on les verra mieux. Voilà, comme ça, voilà, on voit mieux un peu les Euphilia. Il y a de très très jolis Euphilia en ce moment. Les tarifs ont un petit peu descendu sur ces variétés un petit peu spéciales. Tout ce qui est Holy Grail, 24K, Dragon Soul, ça, c'est un peu plus abordable. Bon, ça reste cher, hein, mais c'est des animaux qui ont quand même bien descendu au niveau prix par rapport à il y a quelques mois. Là, vous voyez quelques souches vraiment particulières. Là, on a du Holy Grail. Et alors, je ne sais pas ce que c'est le plus jaune, soit du banana, soit de l'Holy Grail, mais vraiment très joli. On est toujours sur le même bac, mais on passe de l'autre côté. Là, en ce moment, très très joli Goniopora jaune, des Euphilia Ancora orange ou jaune. On va par-dessus, c'est pareil, on va repasser en bleu avec filtre orange pour voir ça un peu plus en détail. Mais les Gonios jaunes sont vraiment très très jolis. Alors, c'est des Gonios d'Australie. Ils sont sympas, genre niveau tarif, je crois qu'ils sont dans les 70 euros. Les gros Euphilia orange et jaune, c'est une centaine d'euros, un petit peu à peu près. On passe sur le bac éclairé en caissile avec des petits Scolymia bottom. Et là, on voit toute la collection de calices. J'ai des magnifiques échinophilia en ce moment. C'était des Bugatti, du Rainbow, des multicolores, très très jolis, à des prix abordables. Alors, c'est bizarre parce que. Avant, ça partait comme des petits pains, là ça s'est un petit peu calmé, mais c'est pas grave, hein, ils ont le temps de pousser un peu plus, et du coup, ben, ça fait des belles pièces. Si vous vraiment voulez des calices,
les échinopes particuliers, ça vaut vraiment le coup d'œil en ce moment. Et là, on vient de voir tous les Zoanthus. Alors là, on est sur la partie, le bac qui est éclairé en T5 et en LED, hein. LED bleu et T5, pour essentiellement des accros au-dessus et quelques LPS en bas, des Favia, mais vraiment très très bas, Nacantophilia, des Trachyphilia. Dans la partie supérieure, en termes de parts, on avoisine les 600 de parts sur les accros et on descend à 200, 250 pour la partie inférieure. Donc là, on est de l'autre côté du bac et là, on voit le champ d'Acropora. Il y a un grand, grand nombre d'accros. On va repasser tout à l'heure en vidéo dessus. C'est là aussi que je maintiens tous les Euphilia glabrescens. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, toutes les morphes d'Euphilia glabrescens peuvent être ensemble, hein, elles peuvent se toucher. Donc, comme dit, là, c'est éclairé très très fort. Hein. Sur la partie, ouais, on a à peu près 600 de part, entre 500 et 600. Donc, avec un éclairage mixte T5 LED. Là, les outils. Une petite vue générale et dans les paniers, alors vraiment aux extrémités, il y a un peu moins d'éclairage. Là, j'ai tout ce qui est en tachnéa, il y a aussi des crucifères qui sont cachés dedans. Et là, donc, on va passer en vue par-dessus. Alors, c'est un petit peu moins bien filmé parce que c'est dans un jeu film avec un hublot et avec les reflets de l'éclairage, on voit pas tout à fait où je passe quand je filme, donc c'est pas forcément toujours bien cadré. Donc là, on les voit avec l'éclairage normal, blanc et bleu, et après on les verra sous bleu avec un filtre orange. Donc il y a vraiment du choix en ce moment en accro, hein, avec des variétés en couleurs assez sympas, en espèces aussi. Donc faut pas hésiter, hein. Si vous voyez des animaux sur la vidéo que vous n'avez pas réussi à repérer sur le site, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Les trois quarts y sont. Il n'y a pas beaucoup de souches qui sont pas sur le site, mais voilà, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message si vous trouvez pas les animaux. On va refaire un petit point de fonctionnement sur le site, donc surtout pour les envois. Quand vous passez votre commande, si vous avez pas de, il n'y a pas d'onglet pour déterminer la date de livraison possible. Par contre, les livraisons sont possibles du mardi au jeudi chez vous. Donc, soit vous me laissez un petit message en indiquant quel jour vous voulez être livré, ou soit moi, systématiquement, dans la foulée, j'envoie un mail pour savoir le jour de livraison souhaité, sachant que je ne fais jamais partir des animaux sans qu'on ait déterminé ensemble d'un jour de livraison où vous êtes présent. Donc, soit vous le marquez en message, ou soit après moi, je vous envoie un message pour avoir la confirmation du jour de livraison que vous voulez. Donc là, on voit les animaux avec sous bleu avec filtre orange pour pas que ça sature trop au niveau du téléphone. Sur le site, bon, vous avez commencé à avoir l'habitude, mais il faut toujours le répéter. Vous avez une photo des animaux sous bleu, sans filtre, une photo des animaux avec un éclairage blanc-bleu et une photo des animaux avec un éclairage bleu et filtre orange. Alors souvent, quand vous naviguez sur le site avec un smartphone ou une tablette, la dernière photo n'est pas visible. La dernière photo, je ne sais pas pourquoi, n'est visible que quand vous naviguez sur un PC ou un ordinateur, quoi. Mais sachez qu'elles sont toujours sur le site. Il y a chaque fois les trois, hein, au minimum trois photos pour chaque animal, pour pas que vous soyez déçus quand vous recevez vos coraux, que ça corresponde bien aux animaux que vous avez choisis. Donc là, on va repasser encore une petite vue par le dessus sur les accros. Alors le souci, c'est que quand je passe le téléphone au-dessus du faisceau LED, eh ben, le faisceau LED est coupé. Donc c'est pour ça qu'on voit une intensité lumineuse qui varie sur la vidéo. C'est tout simplement pour ça. Donc après, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter de différentes façons. Alors soit sur Messenger la page Facebook Fab Corail, soit sur le Messenger de, entre guillemets, perso Fabien Fab Corail. Vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp au 06 28 33 23 75, par mail sur fabien@fabcorail.com.
Après, concernant les messages téléphoniques au téléphone, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi car j'ai quasiment tout le temps les mains dans l'eau. Donc pour décrocher, ça bug. Donc je suis un petit peu moins réactif aux messages téléphoniques. Donc privilégier plutôt les questions par écrit. C'est plus facile pour moi y répondre. Je suis généralement assez réactif, hein. Vous avez la réponse au maximum quelques heures après. Donc voilà. N'hésitez pas à commander et j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.